on est dans le vieux Carthagène, la vieille ville. Et on s'en met plein les yeux, tout est coloré, les peintures, les fresques. On ne sait plus où donner de la tête. Et on a plein de petits trucs comme ça, partout, partout. Très joli. On adore. C'est joli là. Ah, c'est beau. Vous avez des trucs partout. J'ai envie de tout photographier. Bravo. Alors ça, c'est le mouillage le soir. Voilà. C'est la fiesta partout. Les bateaux. Et là, on a un gros qui arrive. Qui a été baladé. Les touristes et les locaux, hein, ils vont boire un verre en dehors de la baie, là, et puis ils reviennent. Donc comme on était en train de dire avec Pascal, c'est mouillage particulier dans la ville avec ses tours. Ils font la fête, les restaurants, les bars, enfin, c'est animé comme ça tous les soirs. Semaine, week-end, on ne voit pas la différence. Parc Santa Mario, visite, marchand de fruits, des charrettes de poubelles. Il y a un mec qui est venu chercher des nanas pour leur montrer les fruits dans les arbres. Ah ouais, bah, je pense que quand je regarde, mais je crois que c'est... Ça peut-être les noms, il faut être observateur. Les, les paresseux, ils se plantent. Viens, on va les voir. Thank you.
Oh, tu peux passer. On est encore. Non, c'est pas un paresseux. C'est paresseux qui est là-bas, tu le vois? Là. Ouais, ouais, c'est paresseux, il est là. Il est là, hein, mais ouais. T'as l'impression que c'est un bout de bois parce ouais, qu'ils se font avec... Regarde, regarde, il est là. Mais c'est un faux. Ah bon? Mais oui, tu rigoles, c'est un truc d'arbre tordu. Moi oui, c'est pas... Tu rigoles. Ah oui, donc, c'est une connerie, ça. Ah ouais. Ah oui, c'est dessous. Si. Wistiti? Hop là. Là-bas, il y a Wistiti. Ouais, mais... Ah, mais et paresseux? Non, c'est vrai, hein? Mais non, c'est pas vrai. Mais si. Mais attends, ou alors j'ai pas vu, moi j'ai attends. Pas beaucoup, hein. Mais oui. Ouais. Mais ça bouge pas, un paresseux. Mais quand même, il a des poils, du coup il est plus... Eh ben, il a des poils, ouais, non? Où ça? Ah bah ben, moi j'ai pas de... Si, si, il respire. Ouais, ouais, c'est lui, hein. Ben là, regarde. Ouais, ici, là. Tu vois pas le truc, la masse? Si. Eh ben c'est ça, il a les griffes devant. Mais il dort. Ah, j'adore. Ah, je vois bien ici. Viens, viens là. Tu vois toi? On voit bien, on voit son ventre qui est tout clair. Ah ouais, peut-être. Tu vois là? Ah oui, oui, oui. Ah ouais, ouais, je le vois. Ah ouais, ouais. On se régale. Super bon. Pascal, il a pris des petites brochettes. Hein? Bon, petites brochettes. Bon, les petites brochettes. Hein? Après, c'est super bon. Ça pique. Donc on va faire tous les stands. C'est bon, hein? Elles sont bonnes tes brochettes? Elles sont excellentes. Vue de l'appartement. Je sais pas si ça va bien donner. Aujourd'hui, opération commune à 13 en métro. Le métro arrive à Sainte-Travière. On arrive à l'entrée de la commune à 13 où on va rejoindre notre guide parce que la commune à 13, là, ça se visite avec un guide, on ne peut pas y aller tout seul. On va rejoindre notre guide. Suivez-moi. Allez, Gemma. Bye.
disent qu'il faut boire la bière au cannabis, qu'elle est excellente. Oui, oui. Moi, je ne vais pas tenter parce que j'aime pas la bière et j'aime pas le cannabis. Mais bon, il paraît qu'il faut le rouler. Il va faire une photo de là. Les balcons de la coupe de fée. Comment tu fais? Comment vous vous sentez comme un petit enfant, hein? Oui. En Bretagne, la spécialité, c'est crêpes. T'as vu Pascal? Ah ouais, pas moi. Donc on vient d'arriver à Jéricho. C'est la place, t'as vu toutes les balades en... Toutes les balades à fond. Oh là là, c'est joli là-haut. T'as vu, c'est la boucherie, carnisseria, t'as la boucherie à l'intérieur. Voilà. C'est beau, hein, ouais. C'est... T'as l'impression d'être je sais pas où... T'arrives pas à définir... Que c'est la Colombie, quoi. Ouais. T'as pas trop de comparaison, hein, parce que... La ville... Ah non, le village. Place décorée pour Noël. Ah non. Très sympathique, authentique. Ça c'est excellent. Ouais. Il y a de la musique, c'était bien. Ah, je veux pas. Vas-y, ça fait quoi? Ça va pas derrière le cheval. Salut. Oh,
waouh, c'est joli. Cette verdure. Oh, t'as une belle balade à faire, hein. Sympa. Sur un trou, le village de Jéricho, il se trouve à 2000 mètres d'altitude. Et là, on est encore monté pour aller voir le Christ. Ah ! Ça m'a fait peur. Hé Pépère, tu veux jouer? Je crois que je sais pas si Françoise va réussir à monter. Ouais. Elle a peur. Ouais, oh la vache, il a des bons freins. Allez, les routes de l'impossible. On est dedans. El gringo. El gringo, ya que va. Je l'ai retrouvé. Connaissez-vous les deux variétés de café plus que nous dans tout le monde? Arabica, Robusta. Robusta. Il y a en ici à Colombie, il y a son Arabica. Et nous avons fait la plantation ici entre 1000 et 10000 mètres sur nous, sur le niveau des mers. D'accord. Maintenant, il y a 1750 mètres sur 1750. Et Robusta, en Brésil, Vietnam, 200, 800 mètres sur niveau des mers, plus bas. D'accord. Les premières différences ici à Colombie, nous avons fait la plantation dans la montagne. Mm-hmm. Parce que la montagne impose l'altitude. L'eau s'impose dans la terre et la terre est plus riche. Qu'est-ce qui passe avec Robusta? Robusta, ils sont des endroits plans. Qu'est-ce qui passe avec les endroits plans? Il y a une machine. Qu'est-ce qui passe avec la machine? La machine n'inquiète pas. S'il récolte les mauvais cafés, des feuilles, des animaux, impossible. Un café de moins qualité. Si on manque à poule, à pomme de terre, il y a un sup. Mais n'essayez pas, d'accord, c'est ma blague. Ici à Colombie, tout à la main. C'est impossible d'utiliser sa machine. Bah si nous utilisons la machine, la pente, c'est pas possible. C'est tombé. C'est trop c'est tombé et ouais. Après, fini dans les rivières. Mm. Et ici, oh, qu'est-ce qui passe? Allez, avec les cafés Robusta, il est plus fort. N'importe pas les climats, s'il est seul, le sol, ouais. Il peut vivre. S'il est, il y a plus de caféine qu'Arabica, d'accord? Arabica est un petit délicat, d'accord? Plus délicat. Il y a une question? Non. Pour le moment, tout va bien. On va déguster les grains de café. Ici, il y a beaucoup. Merci. Moi, je trouve le meilleur dans le plan de café, oui. C'est l'odeur de la fleur. C'est l'odeur de la fleur, oui. Après, nous pouvons chercher quelques fleurs. Oui. Un peu amer. En panne. Tu t'es produit une moustique. Mais tu me prends pour qui? Tu m'as ramené une petite graine rouge pour chanter. Et oui, ya que babre. Ya que babre, c'est moi. Allez, allez, t'es mumu, toi. Moumou. Moumou. Un endroit magnifique. Séquence émotion. Ah, disculpe. Non.
Mais on en prend de l'insecticide ou pesticide naturel qu'il y a ici. Ici, il y a beaucoup de fruits. Ouais. Il y a des bananes, des oranges, des citrons, ouais. D'avocats. Ah, ça, c'est vous. Oui, voilà. Des corosses, des guavas, des nanas, beaucoup de fruits. Parce que l'animal préfère manger ses fruits qu'un petit rond de café. Oui. Aussi, il y a beaucoup de soissons, d'avets, des papillons qui mangent quelquefois les insectes qui attaquent le café. Mais aussi, il existe toujours un insecte qui toujours attaque le café. Il s'appelle broca. Il est comme ça. Il fait un petit escarabat. Un petit trou. Qu'il fait un petit trou, il commence à manger l'intérieur. C'est un vert, quoi. Pas vert, c'est un escarabat. C'est noir et il vole. Ah, comme un escarabée. Oui, c'est un escarabée. Il s'appelle broca. Nous pouvons voir que maintenant, il est noir dans l'intérieur parce qu'il avait commencé à manger tout. Pour ça, nous devons toujours prendre les grains de café quand il est complètement rouge parce que quelquefois, il commence à manger. Ah, oui. Mais maintenant, nous avons implémenté des autres stratégies. D'accord. Qui sont trois champignons, des bons champignons. Un champignon qui protège les arbres de café avec la maladie, la broca. L'autre champignon qui protège les arbres de café avec l'ancêtre, que l'ancêtre s'appelle broca. D'accord. Roja broca et le troisième. Pouvez-vous écouter? C'est la même famille de plantes bananes. Dans notre pays, elle élevait les corps et décidait le niveau de torréfaction. D'accord? Ah oui, ok. Le pays décidait le niveau de torréfaction. Regarde ces couleurs qui ont toujours les cafés marron. Cherchez les cafés marron. Et si vous voulez manger, vous pouvez manger. Oh, ça sent. Il y a une odeur de chocolat. Chocolat. Le meilleur café du monde. On peut travailler ici. C'est trop bon, hein. Coucou Pépère. Alors, ça va Pépère? Che, mamma, Rinina, tu da la raba. Papa, na, lana, tu la raba. Et c'est parti, mon kiki. Je suis le kiki de tous les kikis. Et où on va? Où va-t-on? On va à la plage. On va à la plage. On va se baigner sous les cascades à 10 degrés. Non, 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 non. Je suis pas pris de maillot. Bah justement, ah, tout nu. Ouais. Sans maillot. Sans maillot, en plus. Et je filme, hein. Je veux voir à 10 degrés ce que ça fait. Et pas flouté. Hein. Et pas flouté, là. Il y a Facebook. Et on va faire une petite rando de 2 heures. Belle montagne de Colombie et en bas on a Jardín, jardin, je traduis. Voilà, allez c'est parti pour la marche. Et voilà notre chauffeur. Ah nanère, t'as des belles oreilles tu sais. C'est une taureau. Ah non, merci. Oh bah... Moi, d'avoir confondu pour une fille. Oh, regarde les oreilles, j'adore. Allez, petit trek de 2 km, c'est rien. Hein. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Une vertige, ça? Oui, une vertige d'abord. Pascal s'est fait un copain. Jeannot le taureau. Non, 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 ne te compare pas.
Ce n'est pas la peine. Non. Nous ne ferons pas de comparaison. Hein, Jeannot ? Alors ? Mais oui, tu veux un bisou ? Mais on n'énerve pas. Hein. Là, ça va faire. Allez, je descends rejoindre la cascade. Ça descend, c'est raide. Hein. Mais comment tu marches là-dessus ? On fait une petite visite à Guatapé. Vive Guatapé! Un barrage électrique, donc ils ont inondé le village qu'il y avait. Donc il reste le clocher, le haut de l'église qui dépasse. Et ils ont mis une croix pour représenter l'église qui est sous l'eau. Les saucisses. Vous avez des saucisses? Bon alors, tu te régales avec ta viande? Hein? C'est bonne? C'est très bon. Je suis en train de me filer en train de manger. Là. Et alors, faut pas? Non. Faut pas sur les toilettes. Non. Voilà. Bon bah voilà. Nous voilà coincés au milieu de nulle part dans un restaurant. Et on a plus de batterie sur la voiture. Ah. Donc on est en train de prendre une voiture là pour pouvoir recharger les batteries en espérant que ce soit ça. Donc au dernier jour de voyage. Donc ça va qu'ils sont sympathiques et ils vont nous dépanner. On espère que ce soit bien les batteries. Enfin, va-t-elle démarrer ? Mystère. Attends. Ah, ça y est, il est dedans. Ouais. Super.